Moi? Vous êtes veuve, voyez-vous, encore fort belle, fort jeune. Mais qu'est-ce que vous croyez vous promener comme ça dans tout le quartier avec ce jeune homme? C'est un chauffeur, tout simplement. On m'a demandé, vous savez, on m'a interrogé. C'est son amant? Ben voilà ce qu'on m'a dit. Les gens se posent des questions, n'est-ce pas? Mais il pourrait être mon fils. Tout de même. C'est vrai. Quand on circule en voiture, je me dis que c'est Émile qui me conduit. Roger est un garçon qui aime rire, ça me fait du bien. Mais comment ça se passe au juste ces activités politiques? Vous faites du café, du sandwich? Non. On a des adresses, on va voir les gens, je leur parle du candidat, M. Baillargeon, sa famille, sa carrière. Mais... est-ce que vous l'avez au moins rencontré, votre monsieur Baillargeon? Savez-vous s'il est meilleur que l'autre candidat? Non, mais on dit qu'il est très gentil. C'est bien ce que je pensais. Oh, votre naïveté vous sauve. Je le disais encore hier au sénateur. Au club de la garnison hier. Il en parlait avec Hubert. Il est très inquiet, vous savez, très. Pourquoi il a parlé de moi? Vous savez bien qui il est, non? Oh, je lui ai dit, elle fait ça en toute innocence. Elle a des difficultés passagères, mais elle agit en toute bonne foi. Il a fini par comprendre. C'est important qu'il comprenne, vous savez. C'est un homme très puissant. Il peut vous mourir très vite. Il peut aussi vous aider. Vous lui plaisez bien. Vous a toujours fait une cour, disons, discrète. Ça m'ennuie beaucoup. De toute façon, Marie, dans notre classe, on ne travaille pas. Surtout jamais pour l'Union nationale. Peut-être que dans ma classe, à moi... Ne soyez pas insolente avec moi. Vous ne me jouerez pas ce tour-là. Votre grâce est trop naturelle. Vous appartenez de plein droit de naissance, j'oserais dire, au meilleur milieu. Oh, vous ne tromperez pas votre vieille amie, non. Vous avez effectivement un problème. Et le sénateur l'a compris. Écoutez-moi, mon enfant. Il faut me croire et m'écouter. Autrement, je ne pourrai plus vous protéger. Tancrède, avez-vous reçu votre téléphone? Oh, je suis un bien vieux monsieur. Quand Tachereau dit que le sous-ministre de la Défense veut me parler, c'est probablement une courtoisie. Nous avons combattu ensemble à Ypres. Ces messieurs ont sans doute bien d'autres préoccupations. Je ne compte plus tellement sur cet appel. C'est cruel, malgré tout. Que voulez-vous? Chacun fait son temps, n'est-ce pas? Oh, j'ai eu mes belles heures, ça, all right. Mais je suppose qu'il faut apprendre à céder sa place aux autres. Où est passé mon beau militaire, fier et courageux? Votre beau militaire, il fait des prières en ce moment pour que votre Union nationale s'écroule.
que tous vos candidats perdent leur dépôt et que le seul profit au bout du compte, ce soit un peu d'argent pour vous. Et surtout le goût de ne plus jamais retourner. Parce qu'il l'occupe, votre beau militaire. Vous avez probablement trop d'aptitude à la prière. Ça s'écroule pas tout à fait, mais ce pauvre monsieur Baillargeon a bien peu de chance. Tancrède, je savais pas. J'aurais jamais cru. C'est incroyable ce que les gens font, même nos amis. Ben, le vieux militaire a encore ses élans de jeunesse. All right. Je prêterai plus ma carabine à plomb. À qui tu prêteras plus? Des Lauriers. Il dit que sa mère veut plus que j'aille chez eux, parce que je suis un bleu. Il n'y a pas de place pour les traîtres au parc des Braves. C'est ça qu'elle dit. Je vais lui donner une claque sur la sauce, lui. Michel, on dit pas ça. Il va voir ce que je suis un traître. Ah, bonjour, Sieur Michel. Ah, c'était votre frère, Pierre-Paul. Absolument que je gage avec son ami Louis Guy sur le résultat du scrutin. Et une bouteille de scotch. My God, j'ai dit oui. J'ai reçu le câble de l'amirauté ce matin. On fait des recherches à Southampton. C'était le point d'arrivée du convoi. Mais sans le nom du cargo, c'est extrêmement difficile de retrouver votre fils. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est la guerre là-bas. Oui, je crois savoir ça. Excusez mon impatience, Marie. Mais votre comportement est très irritant. Vous accumulez les impairs présentement. Vraiment? Je vous l'avais dit. Émile, laissez-le-moi. Je le prends dans mon bureau et je vais le dompter. Mais au lieu de cela, vous l'avez laissé. Émile n'a pas besoin d'être dompté. Je vous ai jamais demandé ça. Je vous ai demandé de le protéger. C'est la même chose. Vous me chicanez sur les mots. Pas sur les mots. Et vous ne me dompterez pas moi non plus. Là n'est pas la question. Bien au contraire. C'est de vous protéger qu'il s'agit. Contre vous-même. Hier, le sénateur m'en parlait, justement. Le sénateur? Vous savez très bien. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Il s'inquiète. De vos activités, disons, politiques. S'il t'inquiète qu'il m'en parle à moi? Ah, sans doute qu'il le fera. Mais il a parfaitement le droit de s'inquiéter. Il a de la considération pour vous. Vos 6 000 dollars de dette, depuis le printemps, je ne vous ai pas pressé. J'ai fait attendre. Tout le monde. Mais là, le sénateur détient la moitié, enfin un peu plus de la moitié de vos créances. Alors il a le droit de s'inquiéter. C'était le principal bailleur de fonds pour Georges. Il me menace? Voyons, pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il me veut? Me dompter lui aussi? Vous faites de jolies commissions. Tout de même, vous voilà dans le mélodrame. Non, c'est beaucoup plus simple. Le sénateur est un organisateur important dans cette élection. Il a de l'influence sur le patronage, vous savez ça? Alors comment voulez-vous qu'il tolère qu'une famille estimée du parc des Braves change de camp? Non, il ne m'en a pas parlé personnellement, mais c'est l'évidence. Il n'en avait pas besoin, ce que je vois. Précisément. D'ailleurs, l'enjeu de cette élection est très clair. Alors, il faut que j'abandonne mon travail? Ça n'est pas du travail. Savez-vous, Gustave, que vous faites une bien sale besogne? Je suis assez dévoué aux gens que j'aime pour endurer leur colère quand il faut et le temps qu'il faut. Surtout pas ça. J'ai besoin d'aide professionnelle. Rien d'autre. Conduisez cavalièrement avec tous ceux qui vous aiment. Oui. Prenez garde, un jour vous pourriez être délaissé.
Oh, oh, mais tu vois, je te l'avais bien dit. Faut voir que je fais jamais languir personne. Oh. Oh, vraiment, il me semble. Oh, puis mon oncle Pierre-Paul, lui. Oh, tu m'attires, là. Lâche un brin, Seigneur. Michel, tes déchets, vite. Est-ce qu'il y a eu des téléphones? Juste pour tonton Tancred. Ah oui, où est-il? Ben, dans sa chambre, je pense. Oh, maman, M. Boudreau, l'épicier, m'a demandé de te faire une commission. Il dit qu'il achète les slips pour l'Union nationale. Les slips? Ben oui. Tu vas faire ton marché pour 15 jours, puis au lieu de le payer, ben, tu lui donnes ton slip pour voter. Lui, il te change ça pour ta facture, puis envoie quelqu'un de l'Union nationale voter à ta place. Ben, c'est commode, hein? Le compte commence à être gros. En tout cas, moi, j'ai dit que ça t'intéresserait. C'est drôle, hein, mais il a eu l'air surpris quand je lui ai dit que toi aussi, tu travaillais pour les élections. Dis-y qu'elle vient de me voir, là. C'est ça qu'il me dit. Tancred? Hein? Je peux vous dire un mot? Oh, volontiers. Volontiers, ma chère Marie. Vous voyez combien je suis ridicule. Je marche de long en large avec ma vieille jambe devant ce téléphone qui s'obstine à ne pas sonner. Oh, my God. Le destin de l'homme est vraiment risible. Marie, ma chère Marie, distrayez-moi de moi-même. Les filles m'ont dit que vous l'avez eu, votre téléphone. Non, non, c'était votre frère encore. Et c'est bizarre, il m'appelle maintenant, presque tous les jours, pendant ses heures de travail. Ah ben, c'est toujours au sujet des élections, là, les plans, les rumeurs, les gageures, enfin... Il m'a choisi comme son adversaire préféré, je crois. J'ai quitté mon travail à l'Union nationale. Mais ne me dites pas! Oh, que je suis content! Je pouvais pas me douter que la politique soulevait tant de passion. Georges n'en parlait jamais. Peut-être qu'il l'ignorait lui-même. Finalement, je suis comme une enfant. On m'a menacée, savez-vous? Menacée, vraiment? C'était assez subtil d'abord, puis finalement plutôt vicieux. Aujourd'hui, c'est Gustave Hudon qui a utilisé l'argument de l'argent. L'argent? Mais racontez-moi ça. Je savais plus quoi faire. Je suis pas en position de résister quand on invoque les dettes de Georges. Vous le savez mieux que personne. Alors, j'ai pensé en parler au comité. Il y avait un vieux monsieur là, qui me semblait très gentil, bienveillant. Je me suis dit, je vais lui raconter, il va m'aider. Eh bien, non. Tout à coup, il n'y avait plus de gentillesse du tout. Il est devenu assez menaçant, lui aussi. Si tu lâches, tu vas avoir affaire à moi, puis compte pas sur ta paye, et puis tu vas rembourser tout ce que tu as reçu, ou autrement, tu vas voir. My God, mais c'est incroyable ce que vous me dites là! Qui est ce type? Je connais pas son nom. J'ai eu assez peur tout à coup. J'étais très en colère et j'avais très peur en même temps. Ouais, on m'avait bien dit que le parti adverse utilisait des méthodes douteuses, mais de là à imaginer mais c'est que... c'est pareil des deux côtés. Non, mais voyons, c'est pas mieux de l'autre. Oh, vous pouvez me croire. Je suis payée pour le savoir. Décidément, moi, je suis un vieux boy scout. J'ai fait la guerre. Assez bien, je crois, oui. Je fais du commerce aussi, mais ça très mal. Vraiment très mal. Et je n'ai guère réussi en ménage non plus, ça, vous le savez. Et me voilà au terme de ma vie, arpentant des corridors, là, dans l'attente d'un téléphone. Oh, my God. Je suis aussi naïf que vous, même plus que de la naïveté. Mais arrêtez de me parler comme ça. Vous êtes probablement aussi naïf que moi, mais cherchez pas à vous diminuer en plus par plaisir. Un vieux boy scout. Mais je vais vous dire que j'ai besoin de parler à autre chose qu'à un vieux boy scout. Marie, je vous avais prévenu au sujet de ce travail. C'est vrai. Et c'est ma bêtise à moi de pas vous avoir écouté. Mais il faut que j'apprenne tout tellement vite. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner ma vie? J'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'une femme en 1939, veuve,
parc des Braves peut faire pour gagner la vie de sa famille. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Déménager, vendre la maison peut-être, ça réduira vos frais. Ou remarier éventuellement. Je ne sais pas, moi. J'aurais tellement voulu vous aider davantage, reprendre du service. Vous voyez là le ridicule de ma posture? Je suis là, à attendre un téléphone qui ne viendra jamais. Alors moi aussi, parfois, j'ai le goût de me plaindre un peu. All right? Oui. J'ai fait la guerre pour l'Empire, la civilisation, la défense de Dieu. J'ai cru à cela de toutes mes forces. Et puis aujourd'hui, je ne sais plus. Je ne sais plus rien. C'est étrange, n'est-ce pas? Pitoyable un peu aussi. Vous ne trouvez pas, Marie? Comme une couventine, à peu près comme Colette. Elle a encore plus de bon sens que moi, la pauvre petite. Comment je vais faire pour apprendre? Corinne, le sénateur, Tancrède. Il n'y a personne là-dedans qui m'aime juste pour mes beaux yeux. Tancrède. Je suis pas juste pour Tancrède. Mais qu'est-ce que je vais faire? Nous apprenons que le journal La Presse de Montréal vient de proclamer la chute du gouvernement Duplessis et l'élection de M. Adélard Godbout, chef du Parti libéral, à la direction des affaires de la province de Québec. Ah, ça c'est mieux, c'est mieux. Ah, moi je suis très très content. Et permettez-moi de le dire, sans vouloir vous offenser, Marie, c'est quand même beaucoup mieux. Hein, le Québec ne se situe pas en dehors de l'histoire, et ça, ça me réjouit. All right, ça me réjouit. Même si par moment j'ai l'air de ne pas y croire. Hein. Pauvre M. Baillargeon. En plein que l'histoire en dehors. Ah, oui, Pierre, pose donc. Lui qui était si curieux des résultats. Nous nous rendons maintenant au quartier général du Parti libéral afin d'entendre le premier ministre du Québec, M. Adélard Godbout. L'élection d'aujourd'hui est une preuve que les électeurs de la province de Québec, qu'ils soient canadiens français ou canadiens anglais, comprennent la nécessité qu'il y a de maintenir au Canada l'unité de pensée et d'action indispensable dans les temps difficiles que nous traversons. Pauvre Michel, il veut tout comprendre, participer à tout, finalement il s'endort. Mais oui, Pierre-Paul. Ben, il est probablement avec son ami Luigi. Ah. Ah, au fait, celui-là, il me doit 12 bouteilles de scotch. 12? Oui, c'est le chiffre sur lequel nous nous sommes entendus là, l'autre soir. 1 à 12. Et quand je suis allé les rencontrer là, l'autre soir, j'admets que j'ai été très surpris. My God, quel être bizarre. Poilu,
chevelu, grossier, mais plein de vitalité, cependant, tout en instinct, all right. Et puis d'une intelligence, ma foi, très, très particulière. Mais... En entendre Pierre-Paul, on croirait le contraire. Ah, mais c'est une intelligence certainement limitée, mais qui a son charme, une sorte de sauvagerie, vous voyez. Ah, ben, de toute façon, toujours est-il que j'ai fini par gager une bouteille contre douze. Ah, mais j'avoue que par la suite, je me suis trouvé bien ridicule, moi, avec mon pari. Parce que notre homme, il en avalait plus d'une bouteille à lui tout seul ce soir-là. Je n'avais rien vu de tel depuis la guerre de 14. Alors, ce Luigi, il a certainement un estomac en acier trempé. Il aurait résisté à tous les gaz moutarde de la terre. La quantité d'alcool qu'il a gueulé, my God, mon... Et la rapidité. Ah non, ça, je vous avoue, je me suis trouvé bien ridicule, moi, avec mon petit pari. Oups. Présent. Je vous en prie, mademoiselle, je vous en prie. Et c'est l'ennui, tout est pareil. Les électeurs de Lillet, que l'honorable a délargé. Oh, c'était assez plate. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? U-Boat. Il n'y avait pas un seul acteur qu'on connaît. Oh, on aurait dû aller voir La Grande Illusion à la place. Au moins, c'était pour l'anglais. Il s'en faut que t'apprennes si tu vas juste aux images françaises. J'ai rien appris du tout, j'ai pas compris. Tout ce que je sais, là, c'est que c'était l'histoire d'un espion allemand qui s'en va dans un sous-marin pour découvrir où passe la flotte anglaise, puis pour la torpiller. C'était Pierre-Paul. Il vient d'être arrêté. Il m'appelait de la prison, ma gueule. La prison? Oui. Oui, je n'ai pas très bien compris. Il semble que pour protester contre l'élection, son ami Luigi se soit rendu au quartier général du Parti libéral. Et là, apparemment, il aurait grimpé sur le podium et tenté d'uriner pour protester contre Adela Godbout. Et quoi? Oui, ben, enfin, pas sûr. Oui, votre frère demande un cautionnement, d'aller cautionner pour lui et pour son ami, parce que Pierre-Paul a été arrêté là au moment où il voulait défendre son ami, quand la police est arrivée. Où est-il? Ben, il est au poste de police de Saint-Roch, et puis, c'est 50 dollars. 50 dollars? Oui. Ah, mais je vais y aller, parce que je vais pouvoir faire un chèque à leur part. Allez, à la guerre comme à la guerre, hein? Et c'est l'entrée, tout est pour l'aider.